Exactement. Bonjour Julien. Salut Meryl. Alors Julien, peux-tu te présenter brièvement pour nos futurs étudiants, s'il te plaît? Ben sans problème. Donc, Julien Pillaud, je suis docteur en économie et enseignant-chercheur à l'INSEEC Paris depuis 2 ans maintenant. Et je suis spécialiste de la concurrence et de l'innovation, notamment dans le numérique. Je m'intéresse également beaucoup aux politiques publiques, notamment à celles qui ont trait à l'écologie. Et puis, je m'intéresse également à l'économie des biens culturels tels que les jeux vidéo, la musique et notamment du rap. J'ai aussi la particularité d'avoir été pendant 5 ans manager au sein du groupe Xerfi, qui produit un grand nombre d'études sectorielles qui sont bien connues des étudiants. Ok, et tu enseignes du coup l'économie chez nous, c'est ça? L'économie, effectivement, en première année, mais aussi la stratégie en seconde année. Et je m'occupe également beaucoup de la recherche, puisque j'enseigne la méthodologie de la recherche et je supervise également de nombreux mémoires pour nos étudiants de troisième année. Ok, alors justement, les étudiants me rapportent souvent que tu as des méthodes d'enseignement innovantes qui sortent un peu des sentiers battus. Alors, pas uniquement innovante, Meryl, il m'arrive aussi de recourir à des méthodes plus conventionnelles. En fait, tout dépend de l'objectif pédagogique que je m'assigne. Il y a des moments propices à des enseignements magistraux, à des keynotes, et d'autres plus favorables à de la pédagogie inversée, à de la stimulation par la discussion critique, par exemple. Il y a de la place également pour des ateliers ou des expériences collectives. En Ok. fait, la méthode ne reste jamais qu'un vecteur. Ce qui importe, c'est vraiment de transmettre des savoirs, des savoir-être, et de permettre à mes étudiants de développer une pensée critique et la capacité de résoudre des problèmes complexes qu'ils rencontreront dans leur vie de manager, en fait. Ok, très bien. Peux-tu nous citer quelques outils innovants que tu mobilises ou juste pour teaser un peu nos étudiants Eh bien, en fait, je peux dire que j'utilise pas mal de vidéos et d'expériences collectives dans mes enseignements, effectivement. Je peux également dire que mes étudiants de première année ont également eu l'occasion de s'essayer à des modes de restitution à l'oral qui sont à la fois amusants et exigeants, comme par exemple des rap battles ou des pécha-coucha pour apprendre à faire valoir leurs arguments. Et je crois avec un certain succès. C'est pour faire de nos étudiants des pros des médias, parce que je sais que tu as une grosse activité média par ailleurs. Alors, c'est d'abord pour en faire des managers qui savent prendre la parole en public et pour faire connaître en fait leurs décisions. Je veux qu'ils sachent aller à l'essentiel, qu'ils soient capables d'entraîner leurs équipes derrière eux, de susciter l'adhésion à leurs décisions. Mais oui, en fait, tu as aussi parfaitement raison, Meryl, parce qu'il y a quelques qualités communes avec celles qui sont requises pour s'exprimer dans les médias. Justement, est-ce que tu veux nous en parler? Peux vous en parler, mais par où commencer? Je me suis forgé, en fait, au fil des années, une réputation de spécialiste de l'économie numérique et plus largement de l'économie de l'innovation, ce qui m'amène à être très souvent sollicité par les médias pour apporter une expertise qui, dans mon cas, en fait, est toujours connectée à l'état de l'art de la recherche scientifique en économie et management. Tu fais du podcasting également? Oui, effectivement, j'ai ma propre émission qui s'appelle C'est dans la boîte, en partenariat avec The Conversation France, et dans laquelle nous décryptons tous les mois la stratégie d'une entreprise ou d'une industrie qui fait l'actu, tout simplement. Et je participe également régulièrement à des podcastières, par exemple La Story pour les Échos. Génial. Alors Julien, une petite question un peu plus personnelle pour finir cette interview. Que penses-tu apporter toi en tant que personne à nos futurs étudiants et étudiants actuels? Bah, il faudrait leur poser la question. Mais sinon, qu'est-ce que je pense leur apporter? Un petit peu d'expérience de par un profil et un parcours qui est un petit peu atypique. Également des compétences, évidemment, des compétences qui peuvent s'appuyer sur un parcours qui est pluridisciplinaire en ce qui me concerne, entre l'économie, le droit et le management. Mais surtout, j'essaie de leur apporter un accompagnement humain, de vraies qualités humaines, et puis la capacité vraiment à développer un esprit critique. Systématique de façon à en faire à la fois des managers qui sont capables de résoudre des problèmes qui sont complexes. Il n'y a jamais de solution simple à des problèmes qui sont complexes. Mais également, en plus de managers vraiment efficaces, j'essaie d'en faire des citoyens qui comprennent la complexité du monde dans lequel ils sont amenés à évoluer tous les jours. Et ça me semble au moins aussi important. Parfait. Merci Julien. Merci Meryl.